Et salut à tous et bienvenue sur ce sixième épisode de l'œil de l'expert. Alors pour certains d'entre vous qui n'avaient pas forcément suivi le premier épisode pour comprendre pourquoi on appelle ça l'œil de l'expert, vous avez dû déjà remarquer que cet œil qui est sur le logo est un œil en forme un petit peu un œil de faucon, un œil d'aigle. C'est tout simplement parce que en tant qu'expert, on essaye à chaque fois donc de faire intervenir une personne qui est experte dans sa discipline, et on fait avec cet œil, voilà, cet œil de faucon, on va voir au plus profond de du thème pour savoir en ressortir le plus important. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème que je crois, jusqu'à présent, je ne suis pas partout, mais un thème qui n'a jamais été évoqué sur le net pour les coachs sportifs, à savoir les formations techniques à distance. Parce que les formations techniques à distance, comme le yoga, le pilates, le stretching ou d'autres, hein, même en danse, fleurissent depuis un an maintenant, puisque ça a vraiment été boosté depuis le début de la crise sanitaire. Et c'est logique, hein, ça arrivait, on savait que ça arrivait au fur et à mesure. On avait certaines des formations qui avaient été lancées bien avant, mais là, ça a vraiment pris de la vitesse depuis cette crise sanitaire. Et on voulait vraiment faire le point avec vous pour faire en sorte que vous puissiez vous dire, si j'ai envie de me former à distance sur telle ou telle autre discipline technique, eh bien, comment est-ce que je fais pour faire un bon choix, globalement? Comment est-ce que je fais pour savoir si cette formation pourra répondre exactement à ce que j'attends? Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accueille Magali Théry. Alors Magali Théry, je vais vous la présenter très très rapidement. Magali Théry, elle est précurseuse, je crois que ça se dit comme ça, précurseuse, de la formation technique en Pilates en France, à distance. C'est-à-dire que en 2017, elle a décidé de réfléchir à un concept de formation Pilates à distance. Et à l'époque, il n'y avait pas de formation Pilates à distance qui existait en France. Donc, elle est la précurseuse. Alors, Magali, elle a deux BPJEPS. Elle a un BPJEPS APT, elle a un BPJEPS Activité Fitness. Et puis, Magali, elle est formée sur plein de choses. En Pilates, elle a eu plein de certifications, que ce soit sur les femmes enceintes, que ce soit sur, en relation avec le périnée, que ce soit sur Joseph Pilates, que ce soit sur plein de notions fondamentales sur le Pilates. Ce n'est pas que le mat work 1. Le mat work 1, je vous le rappelle, c'est notamment le fait d'être au sol sur un tapis, hein, le mat work 2 aussi. Et après, il y a les matériels, le Cadillac, vous avez plein de trucs, des matériels de fou, on a l'impression que c'est des matériels de torture, vous savez, à l'époque médiévale, quoi. On se dit, on va être attaché là-dessus, mais qu'est-ce qui va nous arriver? On va nous torturer. En fait, c'est pour se faire du bien, vous l'avez compris, évidemment. Alors, Magali, elle va nous raconter, là, on va essayer de pousser l'investigation pour savoir si une formation à distance de type technique est une formation qui vaut le coup, et comment choisir ce type de formation, parce que c'est important. Magali Théry, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci, bonjour à tout le monde. Merci Christophe de ce superbe sujet. C'est très intéressant, bien sûr. Et quand je parle intéressant, surtout pour les personnes qui se posent des questions, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a un boom sur les formations en ligne. Et c'est très intéressant de proposer ça. Alors, la réponse pour moi, la première réponse que je ferai sur comment on peut distinguer quelque chose de sérieux que de moins sérieux, c'est déjà d'avoir la possibilité de pouvoir contacter un humain dans l'organisme, c'est-à-dire que s'il y a un numéro de téléphone, la possibilité d'envoyer un mail et de laisser son téléphone pour qu'on rappelle, pour pouvoir poser les questions, pour pouvoir entendre combien de fois il y a des gens qui me disent « je suis rassurée parce que j'ai entendu qu'il y avait vraiment quelqu'un au bout du fil ». Il y a des questions qui sont légitimes, que les gens ont besoin de poser. Et pour moi, ça, c'est vraiment le haut du choix, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec, tant qu'à faire, le formateur,
mais au moins quelqu'un de l'école de formation. Donc ça, c'est le quelque part, c'est le conseil principal que tu donnerais pour choisir une Ouais, pour formation. choisir, de savoir s'il y a vraiment quelqu'un avec qui on peut parler, parce que déjà du travail à distance, ben, c'est à distance, on va souvent se retrouver seul devant son ordinateur. Et souvent, quand on n'ose pas faire le pas, c'est parce qu'on se dit comment je fais si j'y arrive pas, comment je peux faire si j'ai un problème. Et donc, d'être rassuré sur tout ça, c'est important. Ensuite, peut-être quand même de s'inquiéter sur l'organisme de formation. Aujourd'hui, il y a des chartes qui existent, ne serait-ce que par exemple le Datadoc, qui est une référence. Alors, tous les centres de formation ne sont peut-être pas Datadoqués, mais en tous les cas, ça donne une empreinte, ça donne une lisibilité du travail qu'a fait le centre de formation pour avoir cette reconnaissance, cette labellisation. Voilà, je pense que c'est quand même déjà deux critères, voir un petit peu l'équipe. Est-ce que la formation elle est encadrée par des gens qui sont peut-être déjà des enseignants du Pilates, d'où ils viennent? Est-ce que c'est quoi leur passé? Voilà, il faut être un petit peu curieux, je pense, pour aller vers quelque chose qui, intuitivement, on va sentir que, bon, on peut avoir confiance. Bon, eh ben merci Magali. Donc, ce webinaire est terminé à partir de là. Nous vous remercions pour votre présence. On va envoyer le générique de fin. Non, stop. On reste présent, bien évidemment. Mais on va vous donner, merci Magali, pour ces premiers éléments de réponse. Vous comprenez qu'on est déjà dans le cœur du sujet et on va même pousser l'investigation dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais vous poser un sondage, vous qui êtes là aujourd'hui. Alors, préparez vos claviers, vous allez voir le sondage qui va apparaître et vous allez pouvoir voter. C'est totalement anonyme, donc on ne sait pas qui a voté. Vous pouvez raconter votre life dessus, mais non, ce n'est pas possible puisqu'en réalité, vous ne pouvez dire que oui ou non. Et oui, on a tout bloqué et c'est bien fait pour vous. Préparez-vous pour ce premier sondage, vous allez pouvoir répondre par oui ou par non. 4, 3, 12, 1. C'est parti. Alors, s'il vous plaît, premier sondage, feriez-vous confiance à une formation Pilates ou yoga en ligne? Allez-y. Bien. Eh bien, aujourd'hui, parmi vous qui êtes présents, 83% d'entre vous seraient prêts à faire confiance à une formation Pilates ou yoga ou autre technique. Ça peut être du stretching, de la danse, ces techniques en ligne. Pas mal! Waouh! Je ne sais pas si on avait lancé ce sondage il y a un an en arrière, je ne sais pas quelles auraient été les réponses. J'aurais été quand même friand, friand de le savoir. Bon, alors Magali, on revient sur toi maintenant. Merci à tous. Merci à tous. On revient à toi. Dis-moi, comment est-ce que ça t'a pris de créer cette formation qui s'appelle Pilates autrement? Comment est-ce que ça t'a pris alors qu'en 2017, bah, on était tous en présentiel en France, on suivait tous des formations Pilates, yoga, stretching, danse en présentiel. Et même moi, je me disais, mais attends, une formation comme ça en distanciel, est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que vraiment j'aurais la moelle, la substance vraiment qui me permettrait d'être bon? Est-ce que c'est du grand n'importe quoi, peut-être aussi, pourrions-nous nous demander? Oui. Alors, je vais juste prendre quelques secondes parce qu'il faut poser le contexte. 2017, j'ai passé plusieurs années en Guyane. 2016, je rentre en France après des petits cataclysmes de vie privée et de vie professionnelle. Et je me retrouve en France, donc déjà avec une expérience de formatrice. Hein. Je travaille et je travaille toujours, je travaillais à l'époque, mais je travaille toujours pour des fédérations sportives. Et je me retrouve sans travail, sans rien. Et là, au désespoir, je me dis, c'est pas possible que je ne puisse plus transmettre. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais retransmettre, vu la vague émotionnelle qui me traversait et les problèmes que je traversais. Et donc, j'ai dit, OK, il faut que je trouve un moyen. La première chose qui m'est venue, c'est Internet. Mais en même temps, je me suis dit, ben voilà, je vais déposer sur Internet ce que je sais. Je vais donc faire une formation. J'ai tout de suite une petite voix qui m'a dit, mais Magali, n'importe quoi, si ça marchait, il y en a plein qui l'auraient fait avant toi.
qui tu es pour prétendre que tu vas pouvoir faire. Oui, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Et je me disais à chaque fois, cette petite voix qui me disait, mais si tu avais une de tes élèves qui viennent et qui te disent, ça y est Magali, j'ai trouvé la formation Pilates en ligne, c'est super parce que je ne suis pas obligée de partir de chez moi et tout ça, j'aurais été la première à lui dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Comment tu veux qu'on te corrige? Comment tu veux qu'on te fasse progresser? Comment tu veux qu'on t'apprenne les choses? Et en fait, j'avais cette petite voix tout le temps avec moi. Et je savais que je devais déposer tout ce que je savais sur Internet parce que je ne pouvais pas le déposer ailleurs. C'était mon constat. Et donc, je me suis dit, OK, on y va. Et la première réflexion que j'ai eue, c'est de dire, maintenant, si tu devais cliquer sur une formation en ligne, comment tu souhaiterais qu'elle soit cette formation? Quelle serait pour toi la meilleure formation? J'ai mis sur papier tout ce que j'aimerais avoir dans une formation. Et je me suis lancée là-dedans, tout en sachant qu'à chaque fois, j'avais la petite voix qui me disait « Mais non, Magali, tu vas voir, les gens, ils vont dire que c'est du grand n'importe quoi. » Ok, alors pour pas que ce soit du grand n'importe quoi, c'est quoi que je dois rajouter? À quoi je dois penser? Les gens, il faut qu'ils puissent avoir du contact avec quelqu'un, parce que c'est ça qu'ils aiment. Et petit à petit, j'ai mis comme ça dans des ingrédients pour avoir à la fois… Tout ce qui me paraît essentiel, un point par exemple, c'est que moi je me disais, ben, sur une formation en ligne, j'aimerais bien que tous les exercices soient décortiqués parce que ça donne une plus-value. Alors j'ai décortiqué tous les exercices. Et des rappels anatomiques, alors j'ai fait des rappels. Et ainsi de suite, avec la possibilité de prendre rendez-vous, avec la possibilité d'avoir des espaces commentaires pour dire « Allô, je suis perdue » ou « C'est super, j'ai adoré », avec plein d'astuces délivrées pour montrer que c'était sans limite que j'avais vraiment envie de que les gens soient performants quand ils sortent de là. Voilà un petit peu la manière d'avoir réfléchi ça. Ça m'a pris 17 mois. Ah ouais. Donc, il y a du taf derrière. Il y a énormément de travail. Ouais, je comprends. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est de demander, par exemple, de demander à Melvin. Melvin, qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Melvin, tu es là? Tu nous entends? Melvin? Oui, je t'envoie. Super. Merci d'être là. Je sais que tu dois nous quitter à 15h grand max, donc on va vraiment pas trop tarder. C'est pour ça que je te fais intervenir dès le démarrage. Melvin, toi, tu as été formé à distance et tu as suivi, par exemple, la formation de Magali. Alors, tu as eu ton BPJEPS, si je me souviens bien, ton BPJEPS AF en juin dernier. Donc, tu as été diplômé. Et puis, aujourd'hui, tu donnes des cours de Pilates, tu les donnes en ligne, tu fais du coaching privé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, à un moment donné, tu as préféré partir sur du coaching, sur une formation à distance en Pilates? Alors qu'à l'époque, au mois de juin, juillet, il y avait possibilité de pouvoir, néanmoins, la législation permettait de pouvoir faire des formations en présentiel néanmoins. Pourquoi est-ce que tu as choisi plutôt en distanciel? Bonjour à tous déjà, merci de m'accueillir ici. Et donc pour répondre à tes questions, en fait, pour remettre un peu plus dans le contexte, on a été confinés en mars et je passais mon BPJEPS AF justement à ce moment-là. Et en fait, je voulais, juste après mon diplôme, me former en Pilates parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis le début. J'ai eu une très bonne tutrice qui m'a montré pas mal de rouages dans le Pilates. Et en fait, comme on était justement confiné et qu'on ne pouvait pas avoir accès à des formations en présentiel, etc., je n'ai pas voulu attendre la fin de mon diplôme et j'ai optimisé mon temps pendant le confinement en passant cette formation en ligne, donc Magali présent, Pilates autrement. Et donc, c'est comme ça que je me suis formé à distance. Avec Magali qui nous suivait vraiment de A à Z sur que ce soit en vidéo, en appel, etc. Elle était toujours là pour nous aider. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis formé pendant le premier confinement, confinement strict de mars. Et voilà, donc j'ai optimisé mon temps comme ça. Ok, merci. Et dis-moi, là aujourd'hui, tu donnes tu fais du coaching privé et notamment en Pilates, c'est bien ça? Ouais, j'ai utilisé ma formation Pilates sur différents profils, donc en coaching privé sur des femmes qui en avaient besoin à cause d'une hernie discale. Donc, j'ai utilisé le Pilates pour soigner entre gros guillemets pour réathlétiser, réhabiliter ces personnes qui avaient des problèmes au niveau du dos.
Donc, j'ai utilisé plein de principes par rapport au Pilates en coaching privé. Et je donne en plus de ça, donc des coachings à distance forcément en ce moment. Sinon, c'était en association et en coaching privé dans une maison santé au Grand-Vif. Voilà. Et si ce n'est pas trop indiscret, aujourd'hui, en coaching privé, si on doit parler de prix, parce que c'est important hein, pour les copains qui nous écoutent, aujourd'hui, tes prix sont de quel ordre à peu près pour du coaching en pilates à distance? En coaching privé, un cours de pilates, ça coûte 50 euros. D'accord. Voilà. Alors, je vous rappelle tous les copains que, il y a trois disciplines aujourd'hui qui sont les mieux rémunérées. Alors, si je dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quand même une rupture brusque avec notre épisode sanitaire. Et il y avait, avant la crise sanitaire, il y avait trois disciplines qui étaient les mieux rémunérées de France. Pilates, yoga, Zumba. Et ça, on peut le voir sur le groupe Emploi professionnel de la forme France, Emploi professionnel de la forme France sur Facebook, qui est le groupe qui regroupe d'ailleurs les trois quarts des coachs français, les trois quarts des clubs français. C'est le plus gros groupe de France qui existe, hein. Donc là-dessus, grâce aux statistiques, parce que c'est un observatoire qui n'est pas forcément officiel, hein, puisque en fait, il n'y a personne qui a dit un jour, bah, c'est là qu'on va pouvoir retirer les statistiques, les meilleures statistiques. Mais néanmoins, nous, on en retire des statistiques qui montrent que ces trois disciplines-là, Pilates, yoga et Zumba, sont les mieux rémunérés de France. Et là, on a encore à nouveau une certitude, c'est que même en coaching privé, et là, Melvin vous le dit, 50 euros pour un coaching privé en Pilates. Et je peux vous dire que lorsque, et j'en suis sûr et certain, hein, lorsque la crise sanitaire, à un moment donné, ça va se réduire, ça ne va peut-être pas s'arrêter d'un coup sec, mais ça va se réduire, quand il va y avoir une reprise des activités, et bien, je peux vous dire que ceux qui seront formés sur ces trois types de disciplines, qui sont des disciplines rares, et tout ce qui est rare, et cher, eh bien, ce seront des personnes, pardon, qui seront les mieux rémunérées. Alors, merci Melvin. Si tu avais un conseil, et puis après on va te laisser partir à tes coachings, si tu avais un conseil à donner soit aux coachs qui viennent d'être formés, qui sont diplômés depuis peu de temps, et ou même aux anciens qui ne sont pas encore formés en pilates, en yoga, et à distance, est-ce que aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce que tu conseillerais de le faire. Je conseillerais à 100% de le faire, déjà pour s'ouvrir à un autre domaine, à une autre discipline à part entière. Après, même si on ne pratique pas forcément le pilates comme on nous l'a appris, c'est justement se faire sa patte et c'est ce que je trouve qualitatif avec la formation de Magali, c'est qu'elle nous laisse nous faire notre image, notre personnalité de coach. Et après, en sortant, on peut l'utiliser dans différents domaines. J'utilise dans la préparation physique, je l'ai utilisé pour réathlétiser des. En hernie discale, je l'ai utilisé sur des personnes avec des problèmes au niveau du ventre, etc. Donc, si je dois donner un conseil, ce serait de se lancer à 100% et après de prendre du recul sur ce qu'on a appris et de l'utiliser comme on veut sur l'image qu'on s'est fait d'un coach sportif et sur sa propre image dans tous les domaines qu'on veut accomplir. Donc, voilà, c'est vraiment se lancer, le faire et après se faire son image. Voilà. Merci. Alors, vous avez entendu, hein, il y a une notion qui est fondamentale, c'est que souvent, jusqu'à présent, mais ça reste une croyance, on pensait que le personal training, c'était surtout musculation cardio, entraînement musculation et cardio, préparation physique, etc. Or, le personal training, c'est aussi des cours de pilates, c'est aussi des cours de yoga, c'est aussi des cours de danse, ça peut être un peu de tout, en fait, le personal training, puisque ce sont des cours privés. Et dans l'esprit de la majeure partie des coachs sportifs diplômés, ça reste de la préparation physique, cardio, muscu. Et non, et non. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui donnent des cours, ceux qui sont formés, pardon, ceux qui sont diplômés pour, par exemple, le BPJEPS AF en option A, c'est-à-dire les cours collectifs, ou anciennement option C pour le BPJEPS AG2F, se disaient, mais nous, on n'a pas le droit de faire du personal training. C'est une erreur, c'est une croyance. Et n'oubliez pas que bientôt, vous risquez d'avoir un webinaire L'œil de l'expert à ce propos. Mais ne le dites à personne. On revient sur Magali. Allez, Magali, merci Melvin. On te laisse partir sur tes coachings Merci privés. Melvin. Continue à faire plein de sous avec. Tu le mérites bien. Merci À très beaucoup. vite. Au revoir. Au revoir tout Merci le monde. Melvin. Au revoir.
Magali, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte que l'on puisse voir les détails? Parce qu'une formation technique, ça nécessite par exemple de voir le positionnement des jambes, du bassin, du tronc, des coudes, etc. Comment tu fais, toi, pour avoir cette qualité que l'on retrouve en présentiel, en distanciel? Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose, ça peut être simplement le gros plan, hein, si tu peux. Donc, c'est te faire filmer, bien sûr, tant qu'à faire de qualité, pour qu'après on puisse faire un gros plan là où il y a besoin. C'est de commenter la vidéo en même temps, soit aussi prendre un élève et dire voilà l'erreur qu'elle peut faire c'est ça, et commenter, dire ben, si tu mets ta main là tu vas sentir ceci. Donc agrémenter de paroles et de peut-être avec des accessoires pour montrer, agrémenter, faire des gros plans, nourrir l'importance, le zoom qu'on veut faire sur quelque chose d'important, le nourrir soit avec du conseil, soit avec des astuces pour le mettre encore plus en exergue, pour que la personne puisse se dire, ah oui, c'est comme ça qu'il faut que je regarde. Et dans ma formation, justement, je dis toujours, allez, maintenant, on va regarder ça de plus près pour développer votre œil d'expert. Donc, on est sur la même longueur d'onde, vois-tu? Et c'est ça, en fait, c'est d'arriver à donner les outils, donc soit sur des zooms, soit sur des conseils, soit sur des techniques, soit sur du matériel, pour que ce qu'on veut qui ressorte puisse vraiment ressortir. Alors, je Ok. parle beaucoup dans mes vidéos. Et donc, tu parles beaucoup, tu prends des accessoires, des balais, cordes. Ah, des bouteilles d'eau, des tringles à rideaux, des tissus, des petits ballons paille, plein de choses pour vraiment. Et puis je dis, bon, ben, si avec la bouteille, vous n'y arrivez pas, on va essayer avec ça. Puis si ça ne va pas. Et puis voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, énormément de commentaires où je suis remerciée pour cette astuce, super cette astuce. Waouh, quelle belle astuce, et ainsi de suite. Donc, je livre tout ce qui fonctionne pour moi depuis des années, parce que je ne suis pas arrivée au Pilates en 2017. Hein. Je suis dans la formation Pilates depuis le bug de l'année 2000. Alors, je suis peut-être un bug. Donc, ça faisait 17 ans que j'étais sur la formation Pilates quand même, quoi. Donc, il y a quand même de la connaissance, il y a de l'expérience, il y a de l'expertise, des choses qui marchent. Et mon plus petit secret ou mon plus gros secret, je les livre tous, j'ai plus de secret. Et puis des fois même, on me dit, et pour quelqu'un qui a ça, tu as une petite anecdote? Parce qu'il y en a peut-être que j'ai oublié, mais oui, je livre tout. Je pense que la connaissance, elle est faite pour être partagée. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne, je pars du principe que je ne peux pas sauver la planète. Je ne peux pas faire du coaching à toute la planète. Par contre, si j'ai formé 10 personnes dans un état d'esprit de bienveillance, de faire du bien aux gens, ceci, cela, ben on est 10 fois plus à pouvoir œuvrer dans le bon sens, dans le sens de faire du bien à son prochain, je vais dire, en tous les cas. Et donc, ben, je gagnerai plus de temps à donner toutes mes astuces à 10 personnes que de vouloir m'occuper du même nombre que les 10 personnes s'occuperaient. C'est juste pas possible, quoi. Je ne suis pas immortelle et je ne peux pas, je suis pas non plus Superman pour être dans tous les coins du monde en même temps. Donc, je pense que le savoir, c'est quelque chose qui ne se garde pas. D'abord, il ne m'appartient pas. Ce qu'on m'a appris, on me l'a donné. Et donc, je me dois de le donner. Très généreux, très très généreux. J'adore. Donc, tes 21 années d'expérience en Pilates, tu en fais bénéficier tout le monde aujourd'hui, non plus en présentiel, mais en distanciel avec Pilates autrement. Il faut revenir sur un point élémentaire pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le distanciel, la formation à distance. Il existe plusieurs types de formation à distance. Il existe des formations à distance qui sont en direct. Et il existe des formations à distance qui sont en semi-direct
Et il existe des formations à distance qui sont complètement choisies. On appelle vraiment le pur e-learning, c'est-à-dire avec de la vidéo enregistrée. Donc, imaginez-vous, soit vous pouvez suivre une formation à distance qui est une formation complète. C'est ce que fait notamment nos amis, c'est ce que proposent notamment nos amis de Total Freestyle. Et donc, ce sont des formations qui sont, si vous préférez, en direct, en ce qu'on appelle du… alors, attendez, il faut que je retrouve le nom du… Synchrone. Voilà, c'est du synchrone. Merci. Et vous avez d'autres formations qui sont, qu'on appelle du asynchrone, qui ne sont pas forcément en direct, qui sont des vidéos que vous pouvez revoir et revoir et revoir autant de temps que vous voulez. Et puis, il peut y avoir du mix entre les deux, c'est-à-dire un peu de synchrone et un peu de asynchrone. C'est-à-dire que parfois, bah, vous avez des formations qui sont, bah, je crois que c'est ce que tu proposes, Magali, hein, c'est-à-dire que c'est une formation dans laquelle vous avez des contenus vidéo que vous pouvez suivre et revoir et revoir et revoir. Et puis, vous avez de temps en temps des interventions qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures en présentiel. Enfin, pas en présentiel, mais en direct. C'est ça. C'est tout l'apprentissage de la méthode, il est à temps choisi. Tu accèdes à ta plateforme et tu te connectes quand tu veux. Et justement, dans cette idée de se dire, OK, je garde du lien avec les gens. Une fois par mois au minimum, j'ai un rendez-vous en visio, en live, autour d'un sujet, d'un thème ou d'une séance. Ça dépend soit des besoins que je ressens, soit des besoins qu'on m'a demandé, soit de comment je veux faire évoluer la formation, quels sont les sujets qui sont importants, qu'il faut traiter. Et voilà, donc, si tu n'es pas là le jour de la masterclass, tu peux le retrouver dans ton espace personnel. Mais tout ce qui est accès à l'attestation de réussite, c'est à temps choisi. C'est toi qui te dis, c'est aujourd'hui à 2h15 ou demain à 4h30. Tu n'es pas convoqué à être devant ton ordinateur, comme par exemple, on est en train de le faire là. Mmh. Oui, oui, et effectivement, c'est ce que nous on proposait sur les formations, ce qu'on propose toujours sur les formations avec Christophe Formation, sur les formations en présentiel, parce qu'on fait que du présentiel, nous, hein, mais on donne la possibilité aux personnes qui veulent se certifier d'envoyer une vidéo. Mm. Donc, le formateur va voir la vidéo, va revoir la technique, va pouvoir éventuellement zoomer pour voir si la technique est bonne, si tout ce qui a été enseigné, la personne a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir être certifiée. Donc, en fait, il y a plein de possibilités. Elles sont toutes bonnes. C'est juste que parfois, ben, on préfère que ça soit tel type de formation, c'est-à-dire, par exemple, sous forme de Zoom, parce qu'on peut interagir en direct avec Exactement. Les formateurs. Et puis, d'autres fois, on préférera que ça soit une formation en vidéo avec la possibilité de pouvoir poser des questions après. Mmh. Et puis, enfin, un troisième type qui peut convenir à d'autres personnes, qui est le mix entre les deux, à savoir comme par exemple tu proposes avec Pilates Autrement, avec les vidéos et aussi ces rendez-vous en direct où tu vas pouvoir notamment les coacher, leur donner des conseils, répondre à leurs questions, etc. C'est ça, hein ? Exactement, tout à fait. Garder un lien avec l'humain. Alors donc, le plus important pour vous, nous regardez, quand vous choisissez, quand vous êtes face à plusieurs formations, c'est de vous dire, alors elles sont comment? Elles sont synchrones, asynchrones, comment ça se passe? Et là, en fonction de vos goûts et en fonction de vos besoins, vous allez aller vers telle ou telle autre formation. Donc, renseignez-vous bien par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que, par exemple, si je choisis de faire une formation yoga à distance, comment est-ce que je peux faire en sorte d'être sûr que la majeure partie des personnes qui ont suivi cette formation sont relativement satisfaites, Magali? Alors, comment faire? Alors, il y a, en tous les cas, je vais te parler de ce que moi j'ai mis en place. Sur le site, il y a un endroit où il y a des témoignages. Il y a pas de, donc, il y a déjà cette petite ouverture-là. Après, personnellement, si tu m'appelles demain pour me dire je peux avoir des personnes, je peux rentrer en contact avec des personnes, donc pourquoi pas, hein, je peux organiser, demander à 3, 4, 5 personnes s'ils sont prêts à répondre à une autre personne.
Voilà, je crois que les témoignages, c'est important, tout à fait. Et j'ai des bilans. Si la personne, elle veut, je peux lui envoyer des bilans de formation ou lui lire, puisque chaque formation, chaque stagiaire, quand il termine, doit faire un bilan de formation. Voilà, il peut y avoir des petites astuces comme ça de. Et simplement le fait de peut-être dire oui, bien sûr, je vais vous organiser un rendez-vous avec quelqu'un, ça va peut-être juste rassurer la personne pour voir que je suis ouverte et qu'il y a, y a pas de secret, quoi. Et par contre, moi, ça me gêne toujours un peu, tu vois ça, parce qu'on ne sait jamais si ce sont des vrais témoignages ou si des trucs ont été faits de toutes pièces. Et ça, c'est toujours un peu délicat au niveau de la crédibilité. Mais je crois que tu avais mis en place, un jour, on en avait parlé, je crois que tu avais mis en place un satisfait ou remboursé. Non, c'est pas un truc, quelque chose C'est comme ça. ça, tout à fait. Après, la personne, c'est ce que je dis de temps en temps quand la personne elle est vraiment hésitante, c'est que moi, je propose vraiment de venir tester, puisque y a la condition de si je ne suis pas satisfait, je peux être remboursée au bout de 15 jours. Donc, 15 jours, venez, regardez, commencez le chapitre 1, le chapitre 2, voyez. Et puis, si au bout de 13 jours, vous n'êtes pas content, ben, dites-le moi et on vous rembourse. Il y a aucun problème, aucun problème. De toute façon, je serais bien ennuyée d'avoir à l'intérieur de ma formation quelqu'un qui est pas heureux, quoi. Et ça, forcément, à un moment donné, vu maintenant les réseaux sociaux, ça se serait très, très rapidement, évidemment. Oui, je pense. Je pense. Est-ce que tu as déjà eu des personnes avec ce système-là, satisfaits ou remboursés, des personnes qui t'ont demandé le remboursement? J'en ai eu une qui était au Canada, voilà, parce que ça pouvait plus rentrer dans son. Elle venait de changer de vie, je dirais, et donc ça pouvait plus être possible d'être pris en charge. Et donc elle m'a demandé d'être remboursée. Ah oui, alors c'est tout simplement pour une question de. C'est pas dû à la qualité de la formation, c'est. Ah non, non, c'était à laquelle elle devait avoir des aides qu'elle n'a plus pu avoir parce qu'elle changeait de statut. Et donc, c'était plus possible pour elle de se la financer toute seule. Alors là, bien évidemment, ta formation, je crois que tu es Calliope ou Cappadoquier déjà et bientôt Calliope. C'est Alors ça, ça. c'est très très important, ces certifications de qualité. Calliope, enfin, aujourd'hui, c'est encore Datadoc. À partir du 1er janvier prochain, ça sera. Il faut absolument, si vous voulez avoir une prise en charge, que ça soit Calliope. Hein, c'est bien ça, Magali? C'est ça, c'est ça. Il faut être charté Calliope, oui. Datadoc aujourd'hui et Calliope l'année prochaine. Et c'est sous cette unique condition que vous pourrez avoir, vous qui êtes micro-entrepreneur et qui abondez tous les mois, hein, à chaque fois que vous payez vos cotisations, dedans, il y a 0,2%, 0,2% qui vont dans ce budget qui vous est alloué à la fin. Donc, il faut absolument vous dire que quand vous êtes micro-entrepreneur et que vous payez vos cotisations, dedans, vous abondez pour avoir un budget de formation qui est de l'ordre de 750, aujourd'hui, entre 750 et 3 500 euros. Cette année, hein, entre 750 et 3 500 euros. La différence, c'est par rapport à l'organisme auquel c'est versé, parce que c'est le FIFPL ou la GFIS. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais globalement, quand vous êtes micro-entrepreneur et que vous cotisez, chaque fois que vous payez un euro, dedans, il y a 0,2% qui sont reversés à ces organismes qui vous remboursent, enfin, qui vous prennent en partie, toute ou partie de vos formations. Mais il faut, pour pouvoir avoir cette prise en charge, que l'organisme auquel vous allez faire votre formation soit Datadoqué, aujourd'hui, Calliope, bientôt. Donc ça, il faut bien le demander pour que vous puissiez utiliser votre fonds. Et aujourd'hui, en France, on a la chance de pouvoir se faire prendre en charge tout ou partie de nos formations. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter, parce qu'à chaque fois, vous devenez meilleur. Et quand, par exemple, vous allez vous former sur du yoga, du pilates, ou même, alors Zumba, ce n'est pas possible parce que Zumba France n'est pas datadoqué. Malheureusement, ça Oui. ne marche pas. Mais en revanche, yoga ou pilates,
foncez, ou d'autres formations, à partir du moment où l'organisme est data-docké, vous leur demandez, et là, vous allez pouvoir, ils vont normalement vous accompagner pour faire vos démarches, pour être pris en charge. Foncez, les copains, cette année est une année exceptionnelle pour se former. Et les prises en charge par les employeurs aussi, hein. L'employeur peut demander à former son salarié et grâce à Datadoc ou à Calliope, ça pourrait être accepté. Avec absolument, c'est au travers de soit l'AVDAS, soit Uniformation, là, cette fois-ci. Alors, il faut vous dire tout simplement que si vous êtes salarié d'une association ou d'un club en fait en général, ce club, cette association, cet employeur paye, c'est une obligation légale, paye une partie de vos salaires, cotise avec une partie de vos salaires, ça fait partie des cotisations patronales, ça c'est abondé dans un fonds qui permet de financer les formations de ces salariés. Donc, si vous êtes salarié, c'est pareil, vous y avez le droit. Et alors, imaginez si vous êtes et micro-entrepreneur et salarié, c'est-à-dire si vous avez le double statut, vous avez la possibilité d'avoir et votre budget en tant que micro-entrepreneur et votre budget en tant que salarié. Voilà, il faut tout simplement vous rapprocher de l'organisme qui fait ces formations et il vous expliquera tout pour savoir comment le faire. Exactement. Magali, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, toi qui as quand même qui a été précurseuse quand même dans la formation Pilates à distance, est-ce que tu pourrais nous donner une idée du prix des formations à distance aujourd'hui, des formations techniques Pilates Yoga? Alors, j'ai regardé dernièrement là un petit peu ce qui se faisait, puisque à cause du confinement, ben, beaucoup de personnes, beaucoup de formateurs ou de centres de formation qui faisaient du présentiel le font donc en synchrone, c'est-à-dire qu'ils font 4 jours et puis on te convoque pendant 4 jours devant ton ordinateur. La salle de cours, c'est Zoom. Donc, je me suis un petit peu rendue curieuse. Et le moins cher que j'ai vu, c'était une formation sur Pilates Math Work 1 de, je ne sais plus si c'était 490 ou 510, parce que je sais que c'était juste avant ou juste après 500. Et une autre que j'ai vue pour MathWork 1, MathWork 2, plus le petit matériel. Donc, il y avait 8 jours de formation, 1500, 1300, c'était 1500 et pendant le confinement, 1300. Enfin, pendant le couvre-feu, le temps de couvre-feu, là, 1300. Voilà un petit peu de deux fourchettes basses et une fourchette un peu plus haute. Donc, globalement, si on reprend, si on reprend les chiffres là, ça veut dire qu'une formation, une formation à distance de type Pilates, yoga, c'est de l'ordre, en fait, la fourchette est de l'ordre de 500 à 1500 euros à peu près. C'est ce que j'ai regardé, ouais. Après, s'il y a peut-être plus, mais je cherche plus pendant 3 heures à regarder ce qui se passe aujourd'hui partout, quoi. J'ai deux, trois critères sur lesquels je me réfère un petit peu. Et puis, ben, après, ça, c'est ma propre curiosité. Donc, je m'arrête à ça. Mais oui, c'est ce que je répondrai, oui, entre 500 et 1500. Oui, ça veut dire que… sûr qu'avec 500, tu n'as pas le même contenu qu'avec les 1500, hein, puisque 500, c'est que les 12 premiers exercices de maths. Et l'autre, tu as… tous les exercices plus le petit matériel. Donc, ouais, donc sur celui à 1500, il est beaucoup plus évolué. Tu as le MathWork 1, MathWork 2 et petit matériel. C'est ça. Ah oui, il y a trois, d'accord. Ouais, il y a trois niveaux. Trois niveaux. Donc, si tu te dis que ça fait 500 par niveau, ça pourrait être à peu près une idée comme ça. D'accord. Alors, ce que je vous propose de faire, merci Magali, on va leur proposer à nos copains là qui sont en ligne, on va vous proposer un sondage. On va vous demander, on va le lancer directement, attention sur vos écrans, 4, 3, 2, 1. Selon vous, les formations qui sont données à distance par des personnes qui sont connues dans le métier sont-elles de meilleure qualité que celles qui ne sont pas forcément connues? Allez-y. Alors, au niveau des résultats, vous êtes 80% à nous dire que quelqu'un qui n'est pas forcément connu peut très, très bien donner des contenus, des formations à distance de qualité.
Ok, bon, c'était intéressant à savoir. Alors attention, ce n'est qu'un sondage, hein, bien évidemment, ce n'est que la représentation de ce que vous pensez, hein, vous qui êtes en ligne aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Alors j'aimerais quand même vous poser une autre question. Qui parmi vous, de façon à ce qu'on soit encore un peu plus fin dans notre sondage, qui parmi vous est formé en pilates ou en yoga? Êtes-vous formé en pilates ou en yoga, oui ou non? Allez-y. Parfait. Vous êtes 60% à être formé soit en yoga, soit en pilates. Alors, on n'a pas dit si c'était à distance ou en présentiel, hein, en distanciel ou en présentiel, mais au moins vous êtes 60% aujourd'hui à être formé. Bon, j'ai une question. Merci à tous, hein. Merci beaucoup pour votre participation. Magali, avant qu'on passe aux questions de notre auditoire, dis-moi, combien de temps ça prend pour être formé à distance? Alors, je vais répondre sur deux quotas, deux chiffres. Quand on organise une formation et pour qu'elle soit prise en charge, il faut faire un programme. Et ce programme, on nous demande qu'il soit détaillé en temps et en heure, je dirais. Donc, le programme mis sur la plateforme fait 30 heures. Le programme, quand je l'envoie à l'AFDAS ou à Uniformation ou à qui tu veux, il y a marqué qu'elle dure 30 heures, la formation. Tu es 30 heures devant ton ordinateur. Mais c'est pareil qu'une formation en présentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as du travail personnel, tu vas dérouler ton tapis, tu vas t'entraîner, il y a des évaluations, il faut que tu répondes à des quiz, il faut que tu filmes des vidéos. Donc, grossièrement, moi, je dis, on multiplie par deux. Pendant 30 heures, tu es devant ton ordinateur et pendant 30 heures, tu vas et t'entraîner, faire tes évaluations. Ça fait 60 heures grossièrement. Ben, si tu fais 1 heure par jour, ça fait 2 mois. Et si tu veux prendre un petit peu plus de temps, parce qu'il y a des jours où tu as les enfants, il y a des jours où tu n'as pas envie, tu vas le faire sur 3 mois. En règle générale, 3 mois, c'est une bonne fréquence parce qu'on y met une régularité. Et si on est dans du Pilates, il y a les principes Pilates, alors autant les mettre de suite en avant. Et donc, si on cherche à avoir une régularité entre 2 et 3 mois, je pense que c'est très bien pour la Bien. formation Pilates autrement. Merci. Et ça rejoint aussi ce que nous disait il n'y a pas très très longtemps Pierre Cuquier. Vous étiez vraisemblablement au courant de tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est tous les coachs sportifs suivent cette formation préparation mentale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, tous les coachs sportifs se forment à préparation mentale certifiée. Ça, c'est un truc de fou. Ça apporte énormément. Et c'est exactement ce que nous disait Pierre Pupier il n'y a pas très longtemps, qui est le créateur en fait, de cette formation. Il nous disait qu'il fallait à peu près 3 mois pour une formation à distance, vraiment avoir le temps de se mettre dedans, être régulier, revenir sur des bases, et puis après pouvoir passer la certification C'est ça. dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment ça. Et bah, tenez, les copains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre. Pour ceux qui n'ont jamais vu, tenez, dans la discussion, on vous met le lien pour cette histoire de préparateur mental certifié, parce que je vous le dis, là, en ce moment, tous les coachs se forment. C'est un truc de dingue. Ils y vont tous, hein, parce que ça amène énormément. Souvent, on pense que être préparateur, c'est être préparateur physique. Mais non, c'est préparateur mental pour tout dans la vie. Et là, Magali, toi, concernant Pilates autrement, c'est pareil, c'est que tu fais très très attention, d'après ce que j'ai compris, hein, tu fais très très attention à répondre aux questions, donc tu es très présente pour avoir une qualité de formation qui est très très importante et donc d'avoir des personnes qui sont formées avec un très haut potentiel de compétences, hein. C'est ça, je mets toute mon attention sur le suivi, puisque quelque part, tout ce qui est en ligne me dégage du temps. Donc, je peux passer du temps sur le suivi des stagiaires. Je lis tous les commentaires qui sont mis. Je ne réponds pas à tous parce qu'il y en a des fois, c'est oui, ok pour moi, merci pour cette astuce. Ah, j'ai préféré avec les jambes pliées. Je n'ai pas spécialement à répondre sur des commentaires comme ça, mais je lis tous les commentaires. Oui, je passe du temps
parce que je crois qu'il le mérite et que c'est ce que je veux qui je veux vraiment que ça fasse cette différence-là dans ma formation, c'est qu'il se sente accompagné. Parce que moi, quand je fais une formation aujourd'hui, quelle qu'elle soit, que c'était la préparation mentale ou si demain je vais faire une formation, je ne sais pas moi, sur le dressage des chiens ou la cuisine en wok, j'aurais envie qu'on m'accompagne, j'aurais envie qu'on me dise quand j'ai des questions et ainsi de suite. Et je pense que être formateur, c'est ça, quoi. C'est être accompagnant. Sinon, je ne fais pas de la formation, et j'écris oui. des livres. et ce que tu proposes dans ta formation, c'est niveau 1, niveau 2 c'est quoi? C'est du petit matériel? Matwork 1, Matwork 2. Le Matwork 3, je ne le ferai pas en ligne simplement pour une raison de sécurité, parce que tous les exercices en renversement où on est sur les cervicales, je n'ai pas envie qu'on me fasse un procès parce qu'il y a quelqu'un qui est devenu tétraplégique. Donc, le niveau 3 ne sera jamais en ligne pour moi. Il pourra peut-être être en synchrone, mais jamais asynchrone. Trop de responsabilités sur des exercices qui sont techniques. Donc, Matwork 1, Matwork 2. Là, si vous avez envie de voir ce que propose Magali Théry avec sa formation à distance, on vient de vous mettre le lien là, justement. On va répondre bientôt aux questions. Il y avait Laurence Broussier qui est avec nous, qui a été formée par Magali Théry. Laurence, toi, tu nous entends? Tu es là? Oui, bonjour, je suis là, oui. Et toi, tu as été formée. Ton recul par rapport à la formation, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, moi, j'ai fait la formation Pilates autrement. J'étais déjà formée en Pilates par deux écoles différentes. J'avais été formée par, à l'époque, ça remonte, hein, c'était en 2008, par EPMM Sport pour tous. Donc, c'était une formation Pilates organisée par une fédération, très, très bien d'ailleurs, sur Orléans. Ensuite, j'avais fait la formation Stott Pilates sur Aix-en-Provence. À l'époque, ils étaient avec les Smiths. Donc, j'ai beaucoup pratiqué. Ensuite, j'avais fait une autre formation qui était de Gasquet, qui n'a rien à voir avec le Pilates. Et là, j'étais perdue parce que je comprends plus rien. Et j'ai eu la chance, en arrivant sur Nancy, d'avoir une opportunité de pouvoir donner beaucoup de cours de Pilates puisque j'en avais 15 par semaine. Et j'ai souhaité faire une nouvelle formation pour vraiment me remettre à niveau. Le problème, c'est que je n'avais pas le temps de partir en week-end. J'avais trouvé une formation au Luxembourg, mais ça faisait encore des frais de déplacement pour y aller. À l'époque, on avait le droit de bouger. Hein. C'était des frais pour s'héberger, plus la formation qui était assez chère. Enfin, elle était autour de 1 200 € pour reprendre le matwork 1 en plus que j'avais déjà. Bref, donc ça ne me convenait pas. Ça m'obligeait à annuler des cours les week-ends. Et puis, par relation, j'ai découvert Magali. Tout de suite, je l'ai appelée parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc par correspondance? Et en fait, quand j'ai découvert l'approche de Magali, déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'elle avait utilisé de Gasquet, donc les problèmes, la gestion du périnée, les pressions abdominales, qu'elle avait mise, c'est pour ça qu'elle a appelé ça Pilate autrement, entre autres, qu'elle avait mise avec son Pilate. Donc, elle a fait une version, on va dire, de prévention par rapport à ça. Elle m'a présenté sa vision du Pilates, le fait notamment, voilà, on n'a pas trop parlé, même si on devine dans ce qu'elle a dit là, mais le fait qu'elle ne fait pas du Pilates, Magali, elle est Pilates, elle est l'état d'esprit Pilates, et c'est ce qu'elle transmet. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'était l'intégrité de l'éducateur sportif, c'est ce qu'a dit Melvin tout à l'heure. Et l'autre point qui m'a plu, c'est qu'elle travaillait énormément l'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail pendant la formation sur tout ce qui est consigne, transmission, amélioration de ses propres perceptions et des perceptions des pratiquants, sur une approche pédagogique qui était complètement différente de celle que j'avais jusqu'à présent, qui m'a complètement transformée dans mon approche du Pilates, qui me donne beaucoup de plaisir à exercer chaque jour. D'ailleurs, heureusement, parce qu'en ce moment, tout à distance, ce n'est pas facile puisque je fais tous mes cours à distance. J'en ai 17 par semaine. Et heureusement que j'ai cette approche un petit peu subtile et responsabilisante que m'a transmise Magali. Donc voilà, j'ai pour autant, je connaissais déjà le Pilates, je donnais des cours et j'ai appris plein de trucs, surtout
en fait, sur la progression, parce qu'elle a une progression qui est un petit peu différente de ce que j'avais vu dans mes cours, donc beaucoup plus respectueuse du corps, des pressions abdominales, du périnée, une approche pédagogique différente. J'ai fait ça quand j'avais envie, je prenais mon smartphone, j'étais dehors, c'était trop bien, quoi. Donc voilà, voilà mon expérience. Merci Laurence, merci beaucoup pour ce retour. Donc comme quoi, 17 cours par semaine Laurence, c'est ça? On t'entend pas très très bien. En ce moment, oui, elle a dit. En ce moment, oui, 17 cours à distance par semaine. En Zoom, ouais. Du coup, je suis tout en Zoom là. Waouh! Là, il y a du taf. Hein. Donc, comme quoi, on peut être aussi formé à distance et donner des cours de qualité à distance. Là, on en a la preuve. Alors, ça ne veut pas dire que... Juste, je veux bien, mais ça, je te coupe. Il y a un truc que j'ai énormément apprécié. Et merci Magali, parce que elle a anticipé la crise sanitaire. Parce que quand j'ai fait la formation, il n'y avait pas ça du tout. Hein. Et elle nous a fait travailler. Comme les gens qui sont dans la formation Pilates autrement, ils sont de partout. Il y avait même une personne à l'île Maurice. C'était le jour avec ses photos de soleil là. Et du coup, elle nous a fait travailler en binôme, en trinôme, ça dépendait, à distance en vidéo. Alors qu'à l'époque, la crise sanitaire, tout ça, personne n'en entendait parler. Hein. Et au début, moi, je faisais un peu ma mauvaise tête. J'aime pas mon métier, c'est présentiel, etc. Avec toute la douceur et en même temps les arguments qu'elle a présentés, puis parce qu'elle m'avait mis avec un binôme que j'aimais bien, les malines, et bien j'ai fait le travail. Et en fait, et bien maintenant, je lui dis merci parce que grâce à ce travail, en fait, j'ai appris à coacher à distance, j'ai appris à regarder au travers d'une caméra, j'ai appris à comment il fallait faire. Et ça, tu ne le savais pas à ce moment-là, Magali, mais tu as eu sérieusement le nez creux parce que tu nous as donné une autre compétence que tu donnes encore plus maintenant avec ta formation. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on doit féliciter tous ceux qui ont eu l'audace de se lancer en distanciel, parce que ce n'était pas un pari gagné. Hein. Ah oui. Donc là, franchement, tous ceux qui le font aujourd'hui, Magali, Total Freestyle avec Max, Max qui est là avec nous aujourd'hui, salut Max, on te fait la bise à toi et à ton équipe. Franchement, on vous félicite pour cette audace, vraiment, ce courage d'avoir lancé, d'avoir tenté de lancer quelque chose qui pouvait paraître être qu'en présentiel, de l'avoir lancé en distanciel. Parce que je peux vous dire qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible et que ce n'est pas qualitatif chez les formateurs. Je peux vous le dire. Bon, eh bien, alors, merci infiniment, Laurence. Merci, Magali. J'aimerais qu'on puisse répondre aux questions que vous pouvez avoir. Là, vous qui nous suivez, est-ce que vous pouvez, dans le chat, poser vos questions de façon à ce qu'on puisse y répondre le plus possible? Allez-y, si vous en avez. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi, je vais vous poser une. Là, vous faites vos timides. Oui, mais parce que le temps qu'ils réfléchissent. Je vais en poser une. Je voudrais savoir si... Parce que moi, j'ai fait la formation Pilates autrement, je connaissais déjà Pilates. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe pour quelqu'un qui est complètement débutant. C'est vrai qu'il n'est plus là, c'était Melvin tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a jamais fait de Pilates et qui écoute notre webinaire, qui se dit, tiens, pourquoi pas? Mais moi, j'ai juste de l'expérience en renforcement musculaire, en muscu, etc. Est-ce que je peux, avec la formation Pilates autrement, être un bon coach Pilates? On résume parce qu'on n'entend pas bien Laurence, mais c'est globalement, si vous n'avez jamais fait de Pilates, si vous n'avez jamais suivi de Pilates, de cours de Pilates, est-ce que vous pouvez aller directement dans une formation pour vous former en Pilates? Magali? Alors, on peut répondre oui comme on peut répondre non. Donc, je vais commencer par dire que entre les deux, ce serait de dire à la personne de quand même lui conseiller d'aller pratiquer pendant la formation, même si aujourd'hui, on pratique à distance. Parce que c'est une technique quand même différente que, on va dire, le renforcement musculaire ou que la gym dite traditionnelle ou que la remise en forme. Il y a un côté beaucoup plus subtil. Pilates nous dit que c'est la gymnastique qui relie le corps et l'esprit. Donc, quand on n'a pas l'habitude de travailler dans cet état d'esprit, il faut y aller.
Mais bien sûr qu'on peut commencer la formation sans avoir fait de cours Pilates. Par contre, à un moment donné, ça ne va pas être aussi crédible de l'enseigner si ce n'est pas passé par nous. Il faut incarner ce qu'on veut faire passer aux autres. Voilà. Donc, oui, on peut faire la formation sans avoir fait de Pilates, mais est-ce qu'on sera un bon guide et un bon enseignant? Je me pose des questions parce que je pense qu'il faut que ça rentre et qu'on le vive à l'intérieur de nous. Tiens, j'ai une question, Magali. Tu sais, il existe aussi des livres. On en oublie les livres parce qu'on est à fond dans le numérique. Mais aujourd'hui, il existe des livres sur la méthode Pilates. Par exemple, si on reprend un livre qui est avec un thème qui est bien connu pour les nuls, le Pilates pour les nuls, il existe aussi le yoga pour les nuls. Le Pilates pour les nuls, est-ce que quelque part, au travers d'un ouvrage papier, on peut se former Pilates de façon efficace? Je pense que les livres viennent en soutien à de la formation. Je pense que c'est compliqué de dire qu'un livre va te former, il va t'informer, il va te proposer d'ouvrir ta conscience et d'ouvrir par rapport à ce qui sera proposé sur le bouquin. Mais comme ça, je vais être peut-être un peu crue, pardon, mais on n'apprend pas la cuisine, quoi. On travaille sur du vivant. On n'est pas des posters, on est tridimensionnel. Donc, trouver des exercices, essayer de comprendre des exercices sur des trucs qui sont plaqués et qui sont pas en trois dimensions ou qui sont pas réels. Oui, peut-être s'il y a un CD-ROM ou s'il y a des flashcodes pour pouvoir après retrouver les exercices sur YouTube, pourquoi pas. Mais franchement, rien que sur du plat et des consignes à côté, comment je sais moi qui écris un livre que la personne ne va pas interpréter mes consignes? C'est-à-dire entre ce que j'ai voulu mettre sur le livre et ce qu'il arrive à la fin, comment je peux m'assurer que ça a été compris. Et voilà, donc à un moment donné, les livres, sincèrement, je pense que ça doit venir en complément de formation. Je doute, ou alors il faudrait pouvoir mettre des certifications à la fin du livre pour être sûr que la personne, elle a bien compris. Alors des fois, il y a des photos, mais des fois, c'est des dessins, quoi. Et en deux Ben dimensions, voilà. ce n'est pas la même chose qu'avec le mouvement en trois dimensions aussi. Ouais. Évidemment. Donc, ça serait plutôt un support, ouais, pour des personnes qui ont été déjà formées. On rappelle rapidement la législation en matière de Pilates, hein, en France. Alors, ce n'est pas la même chose qu'en yoga. En yoga, vous n'avez pas l'obligation d'être BPJEPS, CQP, d'être DOST, des métiers de la forme ou STAPS, pour pouvoir l'enseigner contre rémunération, le yoga. Par contre, le Pilates, vous avez l'obligation de l'être. Hein. Il faut donc avoir un des diplômes officiels du registre national de la certification professionnelle, qui est soit le BPJEPS, soit donc le DOST des métiers de la forme, soit un CQP à LSAGE, soit un STAPS, éventuellement une maîtrise de STAPS ou une licence de STAPS, et pour pouvoir enseigner contre rémunération. Ça, c'est la législation française, article 212-1 du Code du sport. En revanche, est-ce qu'il existe une certification, on va dire, mondiale, officielle, en Pilates? C'est une question de Justine, tiens d'ailleurs. Justine, coucou. Merci à toi d'être présente. Alors, depuis peu, le mot certification a été catégorisé. Parce qu'avant, on disait que, par exemple, tu viens faire une journée Swiss Ball, je te remets un certificat comme quoi tu as été présent. Je te remettais un certificat de présence. Aujourd'hui, ou un certificat comme quoi tu as rempli les exigences. Aujourd'hui, on dit que ça, c'est plutôt une attestation de réussite et un certificat. C'est quand la formation, elle est inscrite au CPF, au registre des certifications. Donc, le certificat ne
peut être dit. Je pourrais dire que je remets un certificat ou qu'elle est certifiante si j'étais inscrite au ORC, au répertoire RNCP. Spécifique. RNCP ou CNCP, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, je ne suis pas inscrite ni à l'un ni à l'autre. Pour le moment, comme on est sur de la formation continue et pas des formations initiales, c'est compliqué de rentrer dans ces tuyaux-là, je dirais. Donc, la formation pilote autrement et ne peut pas être prise en charge par le CPF et elle ne peut pas être certifiante. Par contre, on reçoit une attestation de réussite parce que elle est validée par des évaluations. Donc, on certifie d'une certaine manière et à la fin, on valide avec une attestation des compétences. C'est pour ça que si je reviens sur ce que disait tout à l'heure Laurence, elle a acquis la compétence de pouvoir animer à distance. Et là, on est sûr qu'elle l'a acquise puisque moi, je l'ai validée avec des vidéos, avec ceci, avec cela. On a la compétence de pouvoir parler du périnée correctement. OK, ben on valide avec un questionnaire ou avec une vidéo ou avec un entretien. Voilà. Et donc, on valide des compétences. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais les formations en 4 jours, elles ne valent rien. Moi, j'ai fait une formation de 600 heures. » Alors, on va se calmer parce que tu n'auras pas les mêmes compétences en 4 jours qu'en 600 heures. En 4 jours, je peux t'apprendre les principes Pilates, je peux t'apprendre le caisson abdominal, je peux t'apprendre 3 exercices et en 4 jours, tu peux être compétent sur ces 3 points-là. Donc, arrêtez de dire que les gens ne sont pas compétents. Au début de la formation, regardez quelles compétences vous allez acquérir à la fin de la formation et arrêtez de dire qu'ils ne sont pas compétents. Voilà. Et en 600 heures, si on t'a formé juste aux principes et aux 3 premiers exercices, c'est qu'on t'a volé de l'argent. Ouais, donc, à un moment donné, les compétences sont à valider. Et Dieu seul sait qu'en France, les coachs sont très friands des certificats. Ils veulent absolument des certificats. Alors, que le niveau soit bon ou pas, à partir du moment où ils ont un certificat, ils sont contents. Alors que vraiment, le plus important sur le terrain, ce sont les compétences. Il y a Max de Total Freestyle. Max, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Salut. Si tu peux. Bonjour à tous. Je vais même mettre la vidéo si vous voulez. Voilà, je suis là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce que avec ton équipe aussi, tu proposes des formations à distance en Pilates notamment. Oui. Là, tu me disais, effectivement, on en avait parlé un coup, Max, de cet enregistrement au CNCP. De la formation du Pilates. Est-ce que là, tu as l'air de dire que ça y est, c'est passé? Alors non, en fait, il y a un nouveau registre qui s'appelle le registre des formations spécifiques, qui n'est pas le RNCP. Et du coup, il y a une école dans l'Est de la France, si je ne dis pas de bêtises, qui a réussi à faire valider la méthode Pilates sous ce registre spécifique. Donc du coup, je m'étais rapproché d'elle pour savoir comment ça se passait. Parce qu'il y a certaines écoles qui ont utilisé du coup son code sans autorisation et qui du coup se sont fait attraper, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là, il y a des fortes amendes derrière. Et après, on a la possibilité en tant qu'école d'utiliser son code, mais pour acheter sa licence, entre guillemets, pour pouvoir utiliser son code sur le registre spécifique. En gros, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a une école qui propose de financer avec le CPF, enfin mon compte formation aujourd'hui. Mais c'est des formations très, très longues et très, très coûteuses. Voilà, elles sont à plus de 1500 euros, je crois même 1700 euros. Et c'est des formations en 200 ou 300 heures, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est ça. Question. Merci, c'est cool. Merci, Max. De rien. Continue, ne change absolument rien. Continue avec ton équipe. Continue à toujours nous offrir, nous faire grimper le secteur d'activité. On est tous main dans la main pour vraiment vous offrir toujours des compétences supplémentaires pour qu'on puisse sortir de cette crise tout en ayant vraiment, mais honnêtement, un travail qui soit passionnant et qui soit bien. C'est cool. Ça ne change absolument rien. Merci beaucoup. Merci.
Magali, est-ce que qu'est-ce qu'on fait? On fait le petit mot de la fin. Ah non, allez, je vous offre deux sondages pour finir, si vous voulez bien, puis on finit avec Magali. Premier sondage, avant-dernier sondage, pardon. Avant-dernier sondage, est-ce que vous avez déjà suivi une formation technique en yoga, pilates, stretching à distance? Allez-y, répondez-nous à ça, s'il vous plaît. Yes. Alors, vous êtes 20% à nous avoir dit oui, à en avoir déjà suivi une, non à 60% et 20% qui sont prévus de suivre ce type de formation. Donc, c'est bien, c'est très, très intéressant. Alors, on peut même finir par allez, une formation. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à suivre une formation à distance, danse, yoga, pilates, etc. Alors qu'au début du webinaire, vous étiez 83% à douter un petit peu de tout ça. Allez-y, est-ce que vous seriez prêt à suivre une formation technique à distance aujourd'hui? Eh bien, vous êtes 100%, waouh, c'est la première fois, je crois qu'on a un 100%, 100% d'être convaincu que des formations comme celle de Max ou de Magali sont des formations qui pourraient effectivement vous apporter toutes les compétences nécessaires. Et vraisemblablement, là, on a mis un petit coup de pied dans la fourmilière et on a aussi peut-être accéléré encore cette façon de pouvoir se former qui est totalement récente, totalement nouvelle. Donc allez-y, foncez à fond les copains. Foncez. Magali, le mot de la fin peut-être, est-ce que tu voudrais nous dire un petit truc pour finir? Eh bien, écoute, moi, je vais juste déjà te remercier de cette invitation, remercier les participants. Voilà, s'il y a des questions à la, on va dire après, je peux rester disponible. Il n'y a pas de souci. On peut me retrouver sur mon site, sur magaliterry.com, ou tu peux laisser mon mail si tu veux. Il n'y a aucun problème. Voilà, je reste disponible s'il y a des questions. Et puis, ben, j'aurais envie de dire, allons-y, formons-nous. Formons-nous, bien évidemment. Ouais, allez, à fond. Merci Magali. On mettra carrément toutes les références, les suggestions de livres que tu nous proposes, etc. Pour devenir meilleur, on mettra ton lien si des personnes veulent te poser des questions C'est ça. ou veulent te retrouver. Hein. OK. Merci infiniment à tous d'avoir été présents. Le prochain œil de l'expert, ça sera lundi prochain. Écoutez bien le thème. Le thème, c'est alors que aujourd'hui, une formation yoga traditionnelle, c'est 200-300 heures, est-ce que l'on peut être formé simplement en un week-end en yoga de façon efficace? Eh bien, ça sera le prochain thème de l'œil de l'expert. Je vous retrouve donc lundi prochain pour y répondre. On vous embrasse. On vous remercie. Et Merci. simplement pour finir, si vous avez envie de faire 2-3 step touch avec nos amis de Total Freestyle, ou avec Magali, ou avec Laurence, ou avec Nadine, qui est parti faire ses coachings privés et avec moi-même, n'hésitez pas, musique, et à très très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.